Et bonsoir! Et je suis au bonjour. Ça y est, j'ai rattrapé enfin. Et ma journée d'aujourd'hui est incroyablement différente de la journée d'hier. Wow! Merci Seigneur d'avoir entendu les prières de quelqu'un. Ou de nous tous. Je sais pas, voilà. Qui c'est qui prie pour moi? Merci pour vos prières. Wouah! Trop bien, trop bien. Aujourd'hui, c'était le top. Le top du top. Merci Seigneur. Alors, donc c'est la 112e lecture. Donc, non, 113e. 113e. Et c'est le psaume 90. Je ne sais pas s'il est en entier. Je vais regarder derrière. Eh oui. Demain, c'est le 91. Alors, psaume 90. Il est là devant mes yeux. Seigneur! Tu nous as été une retraite d'âge en âge. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre habitable, même de siècle en siècle, tu es le El. Tu réduis l'homme mortel jusqu'à le menuiser. Et tu dis, Fils des hommes, retournez! Car 1000 ans sont devant tes yeux comme le jour d'hier qui est passé, et comme une veille en la nuit. Tu les emportes comme par une ravive d'eau. Ils sont comme un songe au matin, comme une herbe qui se change, laquelle fleurit au matin et reverdit. Le soir, on la coupe et elle se fane, car nous sommes consumés par ta colère et nous sommes troublés par ta fureur. Tu as mis devant toi nos iniquités et devant la clarté de ta face nos fautes cachées. Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère et nous consumons nos années comme une pensée. Les jours de nos années reviennent à 70 ans. Il y en a de vigoureux à 80 ans. Alors sans compter ceux qui ont plus de 80 ans. Même le plus beau de ces jours n'est que travail et tourment, et il s'en va bientôt, et nous nous envolons. Qui est-ce qui connaît, selon ta crainte, la force de ton indignation et de ta grande colère? Enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Yahoua, retourne-toi, jusqu'à quand? Sois apaisé envers tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Réjouis-nous au prix des jours que tu nous as affligés et au prix des années auxquelles nous avons senti tes maux. Que ton œuvre paraissent sur tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Et que le bon plaisir de Yahuwah notre Elohim soit sur nous et dirige l'œuvre de nos mains. Oui, dirige l'œuvre de nos mains. Et Proverbe chapitre 13, versets 9 et 10. 9 et 10. La lumière des justes sera gaie, mais la lampe des méchants sera éteinte. L'orgueil ne produit que querelle, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Oui. Accepter les conseils et demander de l'aide. Oui. Que nous ne soyons pas orgueilleux, Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette journée de vie, Seigneur.
Merci pour ta grâce de nous avoir appelés tes enfants, Seigneur, d'être venus nous chercher, de nous avoir rachetés au grand prix de la croix, Seigneur. Nous pouvons venir devant le trône de la grâce sans trembler, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, et patient envers chacun de nous. Oh, merci, Papa. Continue ton œuvre, continue ton œuvre en chacun de nous. Pardon, je rigole, je suis déconcentrée par des cris. C'est pas le bébé, c'est ailleurs. Oh, bénis ma maman dans son grand âge et garde-la, Seigneur, et donne-lui ta paix, ta joie, et qu'elle puisse sentir ta présence, et qu'elle ne soit pas autant dépendante des uns et des autres, et de souffrir de cette soi-disant solitude alors qu'elle est chez nous, Seigneur, et que toi, tu es ici aussi, Seigneur, et tout le temps avec ton enfant, Seigneur. Tu as aussi envoyé, tu as, il y a à notre service des anges, Seigneur, si nous pouvions avoir les yeux ouverts. Bénis-la, Seigneur, et touche son cœur et montre-lui, oui, elle a un grand âge, elle est dans le psaume qu'on a lu, l'âge vigoureux, puisqu'elle arrive à 80. Oh Seigneur, et un jour il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance dans le corps, plus de péché qui nous méchanceté qui nous tourne autour. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qui est à venir. En attendant, Seigneur, nous sommes là, bien vivants encore, et je prie que tu aides chacun d'entre nous à avancer dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Merci, merci Seigneur de parler au cœur de chacun encore une fois, d'être patient vers nous, comme je le dis toujours, ta patience est notre salut, c'est ta parole qui le dit, ta parole est oui et amen. Nous savons que tout ce que tu dis est vrai, tu es le Dieu de vérité, l'Élohim de vérité, en toi il n'y a aucun mensonge. Toi la source de vie, toi la lumière du monde, Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci de m'avoir accordé un changement, Seigneur, dans mon quotidien, Seigneur. Merci, 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 merci. Et pardonne-moi mes fautes, mes manquements. Pardonne chacun d'entre nous, que chacun se place devant toi, reconnaisse ses torts, reconnaisse son besoin de toi. Oui, nous ne sommes pas arrivés, non. La couronne nous est réservée, mais il nous faut courir jusqu'au but, sans relâche, persévérer jusqu'à la fin. En plus, c'est pas pour une couronne corruptible, voilà, que on fait cette course, on se bat, Seigneur. Non, on ne boxe pas en l'air, c'est pour une couronne incorruptible. Alléluia. Oh, un trésor céleste, pas un trésor terrestre qui se moisit, qui se vole, qui se rouille, qui peut disparaître. Non, c'est pour un trésor qui durera pour l'éternité que nous nous battons, combattons le bon combat de la foi. Gardons le cap, Seigneur. Merci. Je te demande de bénir tous ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, afin d'avoir de l'espoir en toi et du secours. C'est d'oser te demander. Seigneur, tu parles. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Alors, Seigneur, rends-nous aussi tous attentifs à ta voix. Ta parole nous dit que tes brebis reconnaissent ta voix et te suivent. Alors, voilà, que chacun s'examine aussi, reconnaît-on la voix du Seigneur pour la suivre? Ou est-ce que nous nous égarons nous-mêmes? Est-ce que nous nous trompons nous-mêmes? Est-ce que nous écoutons notre cœur qui est tortueux, qui a de mauvais désirs? Est-ce que nous faisons notre propre volonté au lieu de celle de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant? Comment le savoir? C'est tout simple, en lisant et en méditant ta parole. Ta parole est claire, tu dis ce que tu veux, alors après, on y croit, on n'y croit pas, on obéit ou on n'obéit pas. Et en tout cas, à chacun sera redemandé des comptes personnellement et on ne pourra pas dire c'est la faute à lui, il m'a dit ça. Non, c'est la faute à elle, elle m'a dit ça. Non, 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 non. Tu, tu,
tu as un cerveau et tu as des yeux et tu peux lire. Surtout aujourd'hui, merci pour la liberté que nous avons de pratiquer notre foi et surtout d'avoir ta parole entre les mains. Merci beaucoup, Seigneur. Merci. Avant, c'était pas le cas. Et ailleurs, dans certains pays, ce n'est pas encore le cas d'ailleurs. Il y a la persécution. Bénis tous ceux qui souffrent en ton nom et aide-les à persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Et que nous, on puisse persévérer jusqu'au bout si des temps difficiles pourraient arriver en un clin d'œil. Surtout ben, en ce moment avec tout ce qui se passe. Hein? On a entendu Monsieur Macron. Voilà, bénis le peuple de France, que le peuple de France se réveille. Et que la vérité éclate pour la gloire de ton nom, pour que nous soyons debout lorsque tu reviendras, pour que nous ne soyons pas accablés de tristesse face à la persécution, mais qu'on sache se réjouir. Réjouissez-vous car votre délivrance est proche. Amen. C'est la vérité. Gloire à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Bisous. Soyez bénis. À demain. À demain. Ouais, à demain.